Salut les astros, eh ben voilà, la nuit est superbe, le ciel est magnifique, donc on va en profiter, on va se faire une petite séance astro-dessin. Et donc voilà, on va s'installer derrière la 127 200 Bresser-Messier sur monture NEQ5, GoTo bien sûr. Merci Paul, hein, merci encore pour ton cadeau. Bon, on va faire beaucoup de nébuleuses, quelques galaxies. Moi, je suis pas sûr de faire des amas aujourd'hui, je sais pas. Faire des points, ça va pas trop m'intéresser. Oui, alors j'ai travaillé la nébuleuse Oméga M17 il y a quelques jours avec un grossissement de. Enfin, avec un locuteur de 40 mm au sol, donc un grossissement assez faible. Là, je vais la retravailler, mais on va zoomer, on va utiliser sans doute un oculaire 20 mm ou même mieux, hein, peut-être un 15 mm. On va essayer de se rapprocher pour essayer de trouver, chercher les détails. Hein. Donc, bah c'est parti. Allez, on n'a pas que ça à faire. Hein. Eh. Yep, yep, les amis, chez nous revoilà. Bon, alors, comme vous pouvez constater, j'ai une lumière à rouge qui est trop forte, ce qui fait qu'on ne voit pas grand-chose. Alors, ce que j'ai fait, je vais essayer de faire une mise au point, si je puis. Ah, on voit quelque chose. Peut-être me mettre là. Qu'est-ce qu'il y a, mes mères? Ça y est? Oh oui. Tu viens faire un petit câlounet. Bon, hop. Voilà. Ah ben voilà, on y voit mieux. Alors ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai fait le champ étoilé. On voit bien le champ étoilé. Donc voilà, sur tout le cercle. Alors ce champ étoilé va me servir maintenant à poser avec exactitude la nébuleuse M17. Ok. Alors, juste une petite remarque, ce champ étoilé, il a été fait avec un filtre UHC sur l'oculaire de 15 mm que je vais utiliser, enfin que j'utilise actuellement. Et donc, oh, voilà, là on voit bien. Et donc, le filtre UHC, bah, il a tendance à effacer les étoiles les plus faibles. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que j'aurai terminé d'installer et de dessiner ma nébuleuse Oméga, eh ben je vais enlever mon filtre UHC et je vais terminer les petites étoiles, les toutes petites 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 étoiles. Franchement, cette lumière rouge, elle est vraiment dégueu. Pfff. Hein? Oh oui, on voit quelque chose. Ouais, de temps en temps, on voit un truc. Hein. Bon, allez, on se revoit tout à l'heure. Je termine ma petite. Ma petite nébuleuse. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est pas super super de faire de l'astrodessin dans le jardin avec un là le méga spot du voisin. De temps en temps, un peu partout là derrière, là vous avez des lumières qui s'allument au fur et à mesure qu'il y a des chats qui passent dans les cours. Et puis voilà, j'ai une lumière rouge. Trop forte, beaucoup trop forte. Bon, je sais pas, je vais peut-être la changer. Voilà. Bon, en tout cas, je vais terminer le dessin avec ce que j'ai là pour l'instant. Ça me va. Hein, voilà. Peut-être mettre un petit cache. Je sais pas. Il y a un truc à faire. Allez, on va chercher. Du coup, là, j'ai fait les étoiles. Le champ étoilé, je l'ai fait avec le Derwent Drawing Chinese White. Donc là, je vais aller chercher mon crayon Comté à Paris. Donc c'est du pastel, la pastel sèche. Et puis voilà, je vais dessiner tranquillement. Ouh, ça faisait un drôle d'effet là. Voilà, ouh, c'est bien là. Du coup, je vais dessiner ma nébuleuse Oméga avec la pastel sèche. Et puis après, je vais l'étaler tranquillement avec une estompe. Et puis je terminerai au pinceau, à la poudre de pinceau. Voilà, pour donner un effet nébuleux vraiment extraordinaire. Bon, alors, hop.
qu'on va le voir. Ouf, 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 ouf. Ouais. Franchement pas facile à capter en lumière rouge, mais ah bah voilà. Voilà, donc j'ai pu faire le champ étoilé. Par contre, la mise au point, elle est merdique. Voilà, j'ai pu faire le champ étoilé avec les étoiles faibles. J'ai retiré mon filtre UHC. Et puis j'ai complété, vous voyez, il y a plein de petites étoiles qui se sont rajoutées. Et puis j'ai ma, voilà, on la voit bien là, ma nébuleuse Oméga, qui est quand même bien plus sympa que celle que j'ai pu faire hier. Ouais, beaucoup plus sympa, beaucoup plus détaillé. Voilà, pour faire ce dessin, mine de rien, bah j'ai pris un temps fou. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, je suis pas mécontent. Alors oui, c'est vrai, j'ai fait aussi un dessin lunaire. Hein, je vais vous le montrer d'ailleurs. Il est à la maison. Hop, on va retourner hop, à l'intérieur de la maison. Alors ça, c'est les dessins d'hier. Voilà, j'ai rajouté les petits détails qui vont bien. Hop. Donc là, ici, il y a de la lumière. Ah, là. Là, c'est bien, là. Là, c'est bien. Voilà, on se rend compte quand même. Voilà, c'est nickel, là. Voilà les amis, le dessin est terminé. On le voit mieux hein, en lumière blanche. Hein. C'est quand même mieux que qu'en lumière rouge. Bon, on voit quand même qu'il y a un peu plus de détails. Je comprends maintenant pourquoi j'ai pris beaucoup de temps à faire ce dessin. Mine de rien. Je suis pas mécontent. Alors, on peut le comparer avec le dessin. Le dessin d'hier, donc M51, ça c'est mon petit. Ah bah tiens, ça c'est Théophilus, Cyrillus et Katrina. Et la rupée, c'est le taille. Petit dessin lunaire que j'ai fait juste avant le pépère. Ah oui, voilà, ce que je voulais trouver, c'était le dessin de la nébuleuse Oméga fait hier. On peut voir que voilà hier je ben c'est la première fois que je dessinais cette nébuleuse hein. Donc voilà. Pas beaucoup de détails, beaucoup d'humidité, on était à 8 sur 10 hein, presque 80-85% d'humidité. Et puis là ici hop, et ici aujourd'hui, humidité 30% à peine, hein, même peut-être moins. On voit que ma lentille n'a pas subi les affres de l'humidité et de la rosée. Ouais, je suis content de cette nébuleuse M17. Très très content. Ouais. Franchement bien. Content Laurent. Bon bah pendant ce temps-là, il y en a un qui dort profondément. Qu'est-ce qu'on serait malheureux si on les avait pas ces petits poupouilles, ces petits doudous. Ouais, moi j'adore ces caresser à l'intérieur de ses oreilles. C'est tout doux, oh, t'aimes pas. Allez, bon, ben nous, on a encore du boulot, c'est-à-dire qu'il faut aller ranger le matos, parquet monture, entrée, position homme. Voilà. Vous entendez ce doux bruit, ce doux moteur. Voilà.
Position repos. Et voilà. Bye bye. Bye bye. Oh, une petite étoile, regardez. C'est beau.